Les amis, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi ça va très bien, il fait super bon en ce moment. En plus, ça fait vraiment plaisir. C'est un hiver qui est froid, mais quand même, il y a du soleil. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un temps comme ça. Merci beaucoup d'être de plus en plus présent sur la chaîne. N'oubliez pas que je fais aussi des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à la regarder dans la description de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne Twitch. Ça me fera super plaisir. Et puis, bah, posez votre petit like sur cette vidéo. En tout cas, ce jeu, vraiment, c'est un gros kiff. Il est tellement immersif, franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un Call of et j'avais oublié comment c'était immersif. Et je trouve qu'ils ont vraiment... monter le niveau. Pour rappel, vos objectifs principaux sont deux porte-avions japonais. Les escadrilles VS et VB en prendront chacun un. L'escadrille 6 sera là en soutien. Si la météo reste clémente, on en aura fini en moins de deux. Et alors nous aurons le contrôle du Pacifique. Maintenant à vous de jouer. Écoulez-moi ces porte-avions. Yeah les gars, je sens qu'on va conduire des avions. Et comme ça c'est cool. Pas assez compliqué. Voilà que la guerre du Pacifique en dépend. T'inquiète, Hernandez. Je suis né pour ça. Eh ben, pas moi. La bataille de Midway détruisait les porte-avions. Donc on est avec Wade. Vive Matteo. Ils ont fini de réparer notre appareil ce matin. Il nous attend sur le pont d'envol. Il a un nom. T'as baptisé l'avion. Notre avion. Et tu m'as rien dit. T'avais qu'à demander. J'aime beaucoup les petites mises en situation à chaque début de mission et tout, franchement c'est classe, c'est vachement immersif. Plutôt que de démarrer direct, tu vois. Là on avait les petits briefings et tout. Et s'ils s'étaient plantés sur la position de la flotte? Ils ont pas intérêt, si la mission est un succès, on entrera dans l'histoire. Ouais, alors, personnellement je préférais quand même rester en vie, donc si tu pouvais y aller mollo sur les cascades... Les cascades? Tu me fais de la peine, ce type. Et tu te demandes pourquoi t'as pas encore été promu. Et pourquoi ça, gros malin? Parce que c'est pas le cirque Wade Jackson ici. On est en guerre. On peut juste gagner et rentrer chez nous. Contente-toi de descendre les zéros à mes trousses. Moi, je me sors de là. Hé hey, retenez l'ascenseur! Et moi, copain? Grimper. Je te tiens, Jackson. Fais-nous monter! Si on réussit, tu crois qu'on aura droit à combien de médailles, Jackson? Si on réussit, ils fileront nos noms à des médailles, Miller. Bon, essaie de te rappeler qu'on forme une équipe. Et reste en formation cette fois, sinon Davis sera ta peau. Ah, on se traîne en formation. Tu vois ce que je dois supporter? Regarde ça! Quelle belle journée! On va espérer que ça dure! Magnifique. Ah ouais, le temps il est clément. C'est l'heure! Faut se mettre au boulot! Notre appareil attend! Je parie 10 balles que j'abats plus de 0. Non, pitié, l'encourage pas! Allez, on va suivre Matteo, c'est notre copilote, je pense. Ouah, c'est stylé avec tous les avions sur les côtés et tout. Montez dans le cockpit. Allez! Vérification radio pour Sugar 17. Reçu 5 sur 5. La radio fonctionne bien. Eh, hey, c'est l'heure de la visite pré-vol. Préparez-vous pour le décollage. Ok, R pour monter ou descendre. C'est bon, utilisez comme une visée standard. Vous pouvez passer en mode inversé, oui, non. Non. Ok, Jackson, regarde les ailerons. Ok. Droite, aile droite, ok. Parfait, maintenant l'aileron gauche. Aile gauche, ok. Bien, fais tourner le moteur, pour être sûr que tu vas pas nous lâcher. Nickel. Il ronronne. Génial, tu peux arrêter, Jackson. La décélération, ok. Je garde 17 ici, Tower, t'as une autorisation déconnée. Bon, allez, on est prêt ou pas, Hernandez? Tant qu'on puisse l'aide quand on dépend de toi. Allez. Allez, c'est parti, pleine puissance! Allez, à fond. J'ai fait sur le carré pour descendre le frein. Wow! Oh, le démarrage est chaud! Oh, j'ai eu peur! J'ai cru que j'allais. J'ai cru que j'allais me cracher dans l'eau là. Ouais, c'est stylé de. Et je t'en supplie, ne fais pas le malin. T'es pas drôle! C'est pas du con. R pour monter ou descendre, ok. On doit rester en formation.
inverser la visée verticale à tout moment en appuyant sur Y, triangle. Y, j'ai encore du mal. J'ai tellement souvent joué avec la manette Xbox. Tu peux me dire comment tu l'as appelé ? De quoi tu parles ? Bah, de cet avion. T'es encore là-dessus ? Que tu veux qu'on parle, sinon ? Ah ! Eh bien, reste mystérieux. J'ai envie de tirer, mais je crois que je vais leur faire peur si je fais ça. On est dans le brouillard, là. Rejoignez l'escadrille. Waouh ! Oh, mais je crois que j'ai jamais eu autant d'avions. À tous les appareils, Victor. Qui n'est pas en formation ? Il y a quelque chose qui clash. Oh putain ! Oh, oh. Putain, merde ! Ces putains de zéro ne sortent de nulle part ! Ils ciblent nos bombardiers torpilleurs. Les chasseurs n'ont pas encore décollé. S-17, chargez-vous de ces appareils ennemis. Laissez-moi faire ! Tu couvres nos arrières, Armandette ! Mitrailleuse sortie ! C'est chaud, là. Je laisse pas approcher des bombardiers ! Oh putain ! Oh, ouais, c'est chaud. Il arrête pas de bouler, lui, il rend ouf. C'est bon. Et on va le choper, lui. On va essayer, en tout cas. Waouh. Recharge. Au boulot, S-17. Prenez-en de la graine, les gars, et vous finirez peut-être. Remettez-vous en formation. Oh, j'espère pas. Attention à l'artillerie anti-aérienne, les gars, on approche de la flotte. Ok. La flotte japonaise est juste. Oh là, attends. Mettez-vous en formation, bah c'est ce que je fais. Bombardier, lancez l'attaque. C'est parti. Wow. Accroche-toi bien, Hernandez. Ah ouais, bombardement en piqué. Sert, jamais je pourrais faire ça dans la vraie vie, vraiment. Allez, vas-y. Altitude. En pile pied. On va tirer là. Allez, allez. Allez. On y est presque. R1. Ouais, faut redresser. Trop oh, stylé. Résister à la contre-attaque. C'est dur. Il bouge beaucoup. Comment ça y avoir ici ? Une bonne aide ! Je te ça ! Ah mais ! Ils sont les types. On va manger. Attention, encore en approche. En voilà d'autres. Il y en a beaucoup, hein. Allez, lui là, il fume pas mal, lui. On va essayer de le finir. Ça rend pas mal comme bataille aérienne. Hein. Franchement, revenez à la mission, bah j'essaye. On peut les avoir d'assez loin. Pas facile de les avoir, mais. Les bombardiers torpilleurs sont faits descendre. Mais canardier, oh putain, l'escadrille IBT ne répond plus. Subit trop de pertes. Fais gaffe, Tracker. Okay. Il me lâche pas, putain. Viens tenter, connard. Ouais.
d'accord, lui il faut le... Lui comme il est en train d'attaquer notre poteau, il faut l'avoir avant les autres j'imagine. Allez vas-y. Ah oh, c'est chaud. Wow. Vous avez pas trop envie de gerber. Ça bouge dans tous les sens. D'autres zéros arrivent, ils sont trop nombreux. On subit trop de pertes. À ce rythme, il n'y aura plus personne pour bombarder. Faut qu'on fonce. C'est vraiment ce qu'on peut, hein, franchement. Oh, il y en a tellement. Allez, on voit plus rien avec la fumée en plus. Oh, je sais plus où tu... Je sais plus sur quoi tirer, il y en a trop, il y en a partout. On est touché. Il y en a partout. Ennemi à 3 en plus, je peux pas les loquer. Moi je tire où je peux mais... Je sais pas. Aïe aïe aïe. À la contre-attaque. C'est là un de moins, c'est bien. Point de contrôle atteint, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, les gars, c'est pas mal. On s'en sort pas mal, mine de rien. Zéro en approche, à 4h, on se fait abattre. Canon entier, rien ou pas, faut prendre l'attitude. À vous les VS et DD, regroupez-vous pour un deuxième passage. Montez vers les nuages. Regroupez-vous et gagnez en moitié, je suis trop calme. C'est pas encore notre heure. S17, à tous les pilotes. Allez, qui ont on encore des bombes. Regroupez-vous et préparez-vous pour le dernier plongeon. Attends, quoi? Montez aussi haut que possible pour le deuxième plongeon. Ok, donc il nous faut remonter tout en haut pour après repartir en piqué et balancer des bombes comme on a fait sur le premier porte-avions. Maniez-vous, on sera bientôt hors de portée. C'est bon. Bon, les AP. Je les vois plus là. Attention, attention! Oh, merde! L17, ils vous ont bien allumé, ça va? Impeccable! 0-3 devant, attention! Abattez-les! C'est impossible de les abattre comme ça. Ne cassez pas la formation, on doit les exploser! Ah, je peux pas avoir les 3 les gars, on est 2 sur 3, il faut m'aider. Zéro, on approche sur nous. Aïe. Ah, j'ai foiré. Je vais gagner en altitude jusqu'à ce qu'on survole la flotte. Allez, on est à 1700 mètres encore. Ok, on en a eu un. De plus en plus nombreux, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Vous envoyez d'autres ? On sera bientôt prêt à plonger. La flotte est là, préparez-vous. Allez, 600 mètres. Faut qu'on détruise le deuxième porte-avions. Qui a des bombes ? S18 affirmatif. Appuyez sur carré pour démarrer le bombardement en piqué. Ok. S17, S18, tout repose sur vous. Placez-vous derrière nous et tirez dès que possible. Allez. Juste ce qu'il faut. À tous les appareils, empêchez-les de tirer sur L17. Altitude. Activez-vous fermé. Alors accroche-toi bien. Allez, on y est presque. Pas encore assez près. Je suis touché. Décroche. Jackson, à vous de jouer. Allez, presque. Encore quelques centaines. Encore un peu. C'est bon ou pas? C'est chaud. Ouais, préférait être vu comme un surdoué plutôt que comme un héros. C'était là son paradoxe.
Il était l'un des meilleurs pilotes de cette guerre. Mais à son grand âme, il lui fallait une équipe. Ne touchez pas! Salut les gars. Vous précipitez pas tous à la fois. Il va bien. En voilà de belles et touchantes retrouvailles. Vous m'avez menti. On croyait qu'il était mort. Alors allez vous faire foutre. Vraiment. Non ! Espèce d'ordure ! Ne vous avisez plus de me mentir. Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas, je vous dis ! Freisinger, c'est une honte ! C'est une trahison de premier ordre ! Freisinger ! Vous allez en entendre parler ! Motif, sale pote ! Freisinger ! Que se passe-t-il encore ? Hitler est mort. Quoi ? Comment ? Un coup des alliés ? Les rapports indiquent qu'il s'est suicidé. Mais... sans la Führer... on est fichu. Vraiment. De nouvelles informations. Comme vous le soupçonniez, l'Américain était le sixième homme. Mais je crois les avoir enfin brisés. Ça me fait de la peine de voir notre belle patrie souillée. Sale russe qui plus est. Il n'y a plus rien pour nous ici. Pour que le Reich puisse perdurer, il faudra que l'accès à Tempelhof soit sécurisé. Je vous faisais confiance, Richter. Mais vous êtes devenu non essentiel. Quoi ? Non, 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 monsieur ! J'obtiendrai ce qu'il vous faut. Je vous le promets. Vous manquez de temps. Je comprends. Mein Führer. Je vais le tuer. Richter est à nos trousses. On n'a plus le temps. J'ai essayé de nous dégoter un avion, mais ça a foiré. Et quand je suis arrivé ici, vous étiez déjà enfermé. Alors j'ai emprunté une bombe rouge et je me suis rendu. On a environ... environ une heure avant que ce mur explose et qu'on foute le camp d'ici. Si on survit jusque-là ? Il n'est pas fiable. C'est qu'un putain de pilote. Pas n'importe quel pilote. Je suis un as. Je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce que t'y connais en explosif ? Ah ouais ? Toi aussi, je t'emmerde. Je vous assure qu'on peut lui faire confiance. Eh ben voilà. Ouais, il est tout à fait capable de nous sortir d'ici, avec les fichiers. Thank you.
était redoutable. Une véritable menace pour l'ennemi. Mais à vouloir voler trop près du soleil, on finit par se brûler les ailes. Wow. Bien failli, nous. Merde. Bon, ok. Je vais te sortir de là, mais ça va faire mal. Merde. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que tu peux pas... Hé, Wade. Wade, reste avec moi. Wade, allez, mon vieux. Tu peux pas... Réveille-toi, s'il te plaît. Wade. Non, non, c'est pas ton heure. Il est dans le mal. Hein. Faut que je découvre où on a atterri. Alors je vais te laisser là. Pense aux Yankees. Quoi? Tu sais que je suis fan des Dodgers. T'as un bel enfoiré. C'est comme ça que tu traites un blessé. J'ai besoin de ton arme. J'ai perdu la mienne dans le crash. Celui que t'as causé. Et je suis censé faire quoi? Occupe-toi de te soigner. Ce serait dommage de crever et de rater la fête. Va te cacher le temps que je revienne. Oh, c'est la merde. On est en pleine jungle. Échappez-vous discrètement du site du crash. En plus, faut aller par là. Ok, les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que. J'espère que ça vous a plu ces petites saisons. Franchement, c'était cool. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Pour pas louper les prochains épisodes. Bonne journée, ciao les amis.